Brigitte Bardot a multiplié les confidences. Hier soir, à l'occasion de la diffusion du magazine Un jour, une histoire consacrée à l'icône du cinéma français, Laurent Delahousse est allé chercher les secrets les plus enfouis de bébé. Ainsi, elle est revenue sur son parcours, ses combats, ses amours. Ce fut sa première interview télé depuis 10 ans. Aujourd'hui à 80 ans, elle n'a plus rien à cacher. Elle a d'ailleurs dévoilé qu'elle n'avait rien perdu de son sexe à pile puisqu'elle se fait toujours draguer. Et pas par n'importe qui s'il vous plaît, mais par un ancien président de la République. Oui, le grand Valéry Giscard d'Estaing lui court toujours après. Elle confie, il continue. Il ne m'écrit pas, mais il me téléphone de temps en temps. J'ai gardé une grande amitié pour lui. Il est très gentil. Quel succès! En tout cas, Valéry Giscard d'Estaing, 88 ans, n'a rien perdu de son charme et il sait encore en joueur. La princesse et le président. Valéry Giscard d'Estaing a créé le buzz lorsqu'il a publié son ouvrage La princesse et le président. Un roman d'amour basé sur l'idylle d'une princesse appelée Patricia et d'un président de la République. Le personnage ressemblait beaucoup à Lady Diana, l'ancienne femme du prince Charles. De là est partie une rumeur folle. Et si Valéry Giscard d'Estaing et Lady Di avaient entretenu une liaison? Un amour qu'il a nié par la suite. J'ai inventé les faits, mais pas les lieux ni les décors, que j'essaie de peindre avec une écriture très visuelle. Si est-ce un roman dont la princesse Diana est le personnage principal. J'ai essayé de la faire revivre, telle qu'elle apparaissait quand on la rencontrait. VGE, un dragueur de Miss Météo. Cependant, l'ancien président de la République a une image de dragueur. Dans Bref de vie, un livre de Michel Denisot, en librairie le 6 octobre prochain, nous apprenons que VGE draguait les Miss Météo. Il aurait voulu s'attirer les faveurs de Louise Bourgoin en voulant la raccompagner chez elle. Un manège qu'il aurait refait avec Pauline Lefebvre. Valéry Giscard d'Estaing aurait ainsi un petit faible pour les blondes. À propos de l'auteur Magali Vogel, après 2 années à l'EFAP, École française des attachés de presse, et 1 année à l'EFI, École française de journalisme, j'ai débuté ma carrière à France Soir. J'y ai été consécutivement journaliste télé, culture et musique. En 2011, j'ai fait une escale chez Public pour 1 année avant de changer de cap et m'orienter vers l'économie. Ces derniers articles, le comeback de Bertrand Cantat soutenu par Aurélie Philippette et Elie Semoun, ne connaît pas le dieudonné raciste et antisémite Bridget Jones, veuve et cougar, vive la cinquantaine.